Salut les guys, j'espère que vous allez bien, c'est Altice. Aujourd'hui on se retrouve sur eFootball et on a des tirages gratuits là, vous savez, pour les nouveaux Italian League Guardians. C'est des défenseurs italiens, on a du Bergomi, du Aldair, du Maldini. Je vous avoue que j'hésite un petit peu à paquer parce que j'aimerais bien avoir un Maldini, ça me ferait vraiment du bien à mon équipe, ce serait vraiment cool. Après on sait jamais, on a deux tirages gratuits. Sait-on jamais, une fois j'avais eu Ribéry, je crois, comme ça. Hein. Ok, on a eu Strootman. Waouh, il existe encore Strootman. Il joue à Genova, je savais même pas qu'il joue encore. Vous vous souvenez qu'à Marseille, ça avait été un fail total. Ça avait été tout pourri. Et du coup, j'en profite pour vous dire que vous pouvez aller sur GamesGo si vous voulez des comptes Netflix, Spotify, YouTube Premium, beaucoup, beaucoup moins cher. Au moins 50% de réduction, ça marche bien. N'hésitez pas à aller dans... Oh, Kolasinac, j'ai eu deux anciens joueurs de l'OM, Kolasinac et Strootman, qui sont pas des gros succès. Mais voilà, en fait, j'hésite quand même à aller acheter des pièces pour avoir un Maldini, ce serait pas mal. Maldini, il est en destructeur. Le problème, c'est que Nesta est déjà destructeur. Aldair, il est aussi destructeur. Et on a Bergomi qui est lui... Ouais, à la limite, vous savez quoi, je devrais peut-être même pas le faire parce que vu que c'est des destructeurs, moi, il me faudrait une construction pour aller avec mon Nesta. Vu que Nesta, lui, il va rester dans l'équipe. J'ai un autre tirage ou quoi? Oh, j'ai encore Italian Club. Alors, je sais pas pourquoi Italian Club, il nous en donne tout le temps. Je n'aime pas trop checker, je vous avoue. Je regarde pas trop ces trucs-là. Hein. Je vous avoue, je suis pas très bon. Pulisic. Pulisic, bon, écoutez, je pense pas que je vais le faire jouer. Mais en tout cas, voilà. J'ai changé de tactique et ça me réussit bien. J'ai encore changé, vous voulez me dire, tu changes tout le temps, Altice. Mais voilà, je joue en 4-3-3 comme ça. J'ai monté Musa. Merci à celui qui m'avait dit dans le chat pendant un stream qu'il était bon. Il est super bon, Musa. Il est vraiment, vraiment kiffant à jouer. Et du coup, ça m'a réussi puisque je suis bientôt en division 2. J'ai joué hier. J'ai pas fait de défaite, si je dis pas de conneries. Depuis hier, je suis sur du 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, je suis sur 9 matchs sans défaite, donc voilà, pour la division 3, c'est plutôt cool, ça fait une belle série, c'est-à-dire que même si j'avais super mal commencé, même si je perds maintenant un match, voilà, j'ai fait une série de 9, je suis content, c'est déjà bien. Maintenant, on va essayer de continuer, hein. Évidemment, j'ai pas envie de perdre. Je joue en contre long ballon, toujours, j'essaye de m'y faire, moi qui ai joué en possession vraiment tout le temps, j'essaye de m'y faire, mais ça va le faire, les amis, ça va le faire. Et du coup, on va faire un match aujourd'hui, c'est parti, j'espère que ça va bien se passer, let's go. Et on joue le 200e Bruges GZ. Du coup, ça nous promet un match difficile, c'est parti. On va changer le stade, non, puisque c'est lui qui s'occupe du stade. Est-ce qu'il va jouer en vert? On va le mettre en blanc, je pense que ce sera mieux. Moi, en bleu, comme ça. J'ai trouvé un nouveau maillot japonais qui est assez sympa. Oh là là, j'ai pas beaucoup de joueurs en forme. Là, récemment, j'avais plus de joueurs en forme. Oh là là, je sais pas, j'ai un petit... je sais pas trop quoi faire, du coup. Je pense que je vais mettre Griezmann ici. Parce qu'il est en forme. Dembélé, il n'est pas super en forme. Zakaria, c'est pareil, mais je préfère Kanté quand même. On va laisser Kanté. Je crois que 3 poumons, je pourrais mettre Zakaria aussi. Hein. Ouais, je crois que je vais mettre Zakaria, les gars, parce qu'il est en forme. On va jouer comme ça et on va voir ce que ça donne. Lui, il joue comment? 4-2-1-3. Pareil, il joue en 4-3-3. Même formation, on va dire. Il joue en contre-rapide, lui. Ok. C'est parti. Bah écoutez les gars, c'est parti. Gros match puisqu'il est 200e sur PC. Et puis bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Mais mon avis, ça va être chaud. 200e, ça veut dire qu'il joue beaucoup. Donc ça veut dire qu'il est dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr, il joue beaucoup et il gagne beaucoup. Donc on va voir ça. Mais après, il est sûrement pas imbattable. C'est parti les gars. Let's go. Allez, je suis en bleu aujourd'hui. Et on est sur une série de 9 du coup. Bah écoutez, on est en confiance. Maintenant, si ça passe pas maintenant, c'est pas grave. Allez. Interception, nickel. Oh, de l'autre côté, bien joué sur Vinicius. Oh, dommage, la passe de Griezmann, je pensais qu'il ferait mieux la passe, il l'a fait vraiment en cloche. C'est dommage parce que Griezmann, il est capable de faire des... des bonnes passes comme ça. Je sais pas pourquoi il fait ça, lui, là. Pourquoi il nous fait des dribbles avec son goal, là, depuis tout à l'heure. Il fait un peu le malin, lui.
Il fait un peu le malin, j'espère que je vais pouvoir lui prendre la balle. Non. Oh, t'es sérieux? Alors ça, c'est les arbitres où tu peux pas défendre, en fait. C'est les arbitres où je vais faire une faute, je vais prendre un carton à chaque fois. Vous avez vu le carton que Griezmann prend? Comment c'est abusé, quoi. Waouh, j'ai failli l'avoir, dommage. Il va essayer de me faire sortir comme ça, en gros. C'est bizarre parce qu'il joue en contre-attaque, mais il est complètement en possession, hein, vous avez vu. Bien joué, Messi. Super. Ah, dommage. Ah, Griezmann, il y va pas en courant, hein. Bien joué, Zakaria. Superbe. Allez. Vinicius. Bien joué, Vinicius. Pour Musa. Je sais pas trop où aller, là. Non. Ah, deux fois, je suis con là. En tout cas, je fais comme lui, hein. Quand je peux pas passer, je vais garder la balle, ça va le frustrer aussi. Vu que lui joue sur la frustration, et ben on va pas hésiter à faire pareil. Attention au dédoublement. Du côté droit. Bien joué, Casillas. Super ça sur Vinicius. Ah, j'ai pas pu faire ma passe, deg. Alfonso Davies en latéral, c'est super parce qu'il court tellement vite pour revenir en arrière que c'est vraiment utile, hein. Honnêtement, il est vraiment bien. Allez, attention, faut pas trop subir parce que j'aime pas subir comme ça, mais le problème c'est que j'arrive pas à attraper la balle, je vous avoue. J'aimerais bien ne pas subir, mais il est fort Enfin, il garde bien la balle, donc c'est difficile de la prendre. Dommage. Allez, il a fait l'erreur. Ah, je suis dégoûté. Il avait fait l'erreur, putain. Ça va lui enlever un petit peu de confiance, sûrement. Ah, c'est dommage que j'ai pas marqué là-dessus, les amis. Oh non. Bien joué, Nesta. Superbe. Allez, Musa. Oh, Vinicius, tu l'as pas? Oh, ce qu'il arrête, c'est incroyable. Non! Oh, ce qu'il a arrêté, les gars, là, le goal. La tête, c'était une tête piquée et tout. Pouah, je suis dégoûté. Zakaria pour la tête de Griezmann, dommage. Musa, Mbappé. Oh, ce qu'il arrête encore. Non. Oh, j'ai appuyé trop fort, le con. Oh là là, le con. Oh, si je me prends un but là-dessus, je vais m'en vouloir. Je joue au-dessus, attention. Allez, on se replace. Oh, c'est un match super tendu. C'est une partie d'échecs. Hein. C'est chacun attaque. Oh, comment il attrape ça, lui, sérieux? Ok, on est revenu. On est vraiment dans la partie d'échecs. Oh, c'est bien joué. Attention, Immobilier. Ça revient en arrière. Il va centrer peut-être. Il va jouer derrière. Non!
Oh, l'arbitre, t'es sérieux? L'arbitre, il est pointilleux, quoi. Ok, c'est la mi-temps. Je suis dégoûté parce que je pense que j'ai eu les plus grosses occasions, hein. L'air de rien, avec ma tête, là, la frappe d'Mbappé qui était de loin. Quand il a sorti son goal, c'était désespéré. Ça m'embête, c'est Griezmann, ce carton qu'il est pris, parce que je sais qu'il faut pas que je... Il faut surtout pas que j'aille presser avec Griezmann, et ça m'embête un peu, je vous avoue. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Allez. Griezmann. Ah, oh, dommage. On sait qu'il est bon de la tête, Grizzy. Dommage. C'est corner, c'est contré ou quoi? Ah non. J'ai cru un moment. J'espère qu'il va faire une connerie là, à force de faire ça, lui. Ok. Ça n'a pas trop déstabilisé l'équipe, donc ça va. Ouf, c'était chaud, hein. Il sait pas trop quoi faire, donc il tire de loin. C'est un truc que je devrais peut-être faire aussi, parce que c'est dangereux, hein. On va dégager vers Griezmann, on va pas faire les fous. Ouais, Griezmann qui la prend, ça c'est bien. Oh, aïe aïe aïe. La passe. Messi. Vinicius, mais non. Oh, j'ai toujours pas marqué, les gars, c'est abusé. Ah, Mbappé. Oh, mais la chatte qu'il a, mais c'est incroyable. Allez, Vinicius. Faute. Mais il n'y a pas faute. Mais non, mais c'est incroyable. Vous avez vu, avec Griezmann, je prends un jaune tout à l'heure pour rien. Et là, il n'y a pas faute. T'es sérieux? Oh non, c'est pas possible. Putain, c'est un truc de ouf, les gars. Que j'ai pas marqué, c'est un truc de fou, les mecs. Non! Ça, c'est mal joué, hein. Allez, normalement, j'ai l'ascendant, les gars. J'ai l'ascendant, là. Il faut que je gagne ce match. Non, je me suis jeté. Non, c'est bon. Allez, on est meilleur, les gars, on est meilleur. Il faut que je me motive là, il faut que je marque ce but, quoi. Allez, Musa de la tête, bien joué. Ah, oh, ça passait, j'ai l'impression que ça passait. Mais ça passait pas en fait. Allez, Mbappé. Le goal qui sort, bien joué, Ter Stegen. Il va jouer court s'il peut. Il prend beaucoup de risques, hein. Oh, c'est pas possible! Putain, c'est un truc de dingue, les gars! J'ai toujours pas marqué, c'est un truc de fou! Regardez, il panique! Il est pas bien! Putain,
faut absolument que je gagne ce match, sinon je vais m'en vouloir. J'ai fait rentrer le bon vieux Ousmane pour dribbler. J'ai fait rentrer Neymar à la place de Messi. Et Ribéry à la place de Griezmann. Trois changements qui peuvent faire la diff. Allez les gars, on y va. Concentré. Non, t'es sérieux. Oh. Je vous jure, il sait pas quoi faire, le mec. Il sait pas quoi faire, le gars. Faut que je gagne ce match, les gars. Non, Ribéry, c'est quoi cette frappe de fou de merde? Qu'est-ce que c'est que cette frappe? C'est normalement, tu marques, là, non? Putain, je suis deg. En tout cas, le 200e, je le tiens de fou. Je dois gagner, normalement. Hein. Enfin, je dois gagner. C'est toujours facile de dire ça, mais je suis meilleur, quoi. Sur le match, je joue mieux. Il y a vraiment moyen de le battre, quoi. Bien joué, ça. Attention. C'est bien joué, ça. Attention, pas de faute, surtout. Allez, Neymar. Bien joué. Ousmane pour Ribéry, dommage, c'est Ribéry de la tête. Oh putain, est-ce trois fois aller contrer la balle? ?89e, c'est pas le moment de prendre un but, les gars. Oh non, t'es sérieux? Allez. Ah oh là là, j'aurais tellement mérité de gagner ce match. Je suis deg, les gars. Il était fort, hein, y a rien à dire, mais j'aurais vraiment, vraiment mérité de gagner. Hein. Toutes les occasions que j'ai eues, que j'ai ratées, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Je pense que c'était un beau 0-0 quand même pour le coup. Parfois, les 0-0, c'est chiant. Mais là, c'était un 0-0 pas mal. C'était le match pour aller en division 2 en plus. C'est vraiment dommage que je ne l'ai pas gagné. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Du coup, c'est pas grave. Ça veut dire que ma formation, elle est bien. Ça marche bien là, en ce moment. Et du coup, voilà. Je vais voir. Mais du coup, ouais, je pensais peut-être prendre des joueurs spéciaux, mais vu qu'ils sont tous, enfin que les deux DC sont en destructeur, je vais pas le faire cette fois-ci, donc je vais encore laisser passer ça et on verra. J'ai pris des encore stars, celui que j'aurais bien aimé avoir, c'est De Jong, je l'ai pas eu, donc pour l'instant pour l'instant j'ai pas eu ceux que je voulais. Mbappé, il doit être pas mal aussi, mais bon, des Mbappé j'en ai déjà 4 ou 5 des 4. J'utilise la gratuite, je crois que c'est celle qui est gratuite en ce moment. Celle-là. Ah non, c'est pas celle qui est gratuite. Il y en a une qui est gratuite qui était bien aussi. Mais en tout cas, cette carte d'Mbappé est vraiment cool. Donc voilà. Bon bah écoutez, dommage pour ce match. J'étais pas loin de taper un gros joueur. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. N'oubliez pas de mettre un like. C'était Altice. Et on se voit très bientôt pour passer la D2 et encore, aller encore plus haut. Ciao à tous les amis. Et bah ouais, à plus tard. Ciao, ciao.